Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour tester le chariot, la charrette, le tracteur de Nico. Voilà, petite infusion de camomille au calme, au calme de la forêt, avec le petit feu de bois devant. Bah, plutôt content de ce type de transport, content de ce chariot. J'étais pas certain que ça fonctionne, puisque je l'ai conçu moi-même avec des matériaux de récup. Et en fait, dire qu'il m'a rien coûté. Il m'a demandé un petit peu de temps. Voilà. Pas très lourd. Il pèse 4 kg à vide, sans rien dessus. Donc plutôt content. Compte tenu que je l'ai pas spécialement voulu léger, je l'ai surtout voulu solide. On a un cadre de diable, les chariots de transport. On a une fourche de vélo enfant avec le pneu, enfin la roue complète. Roue que je vais remplacer par une roue... J'aimerais bien trouver une roue de fat bike, mais ça s'annonce mal. C'est une roue 14 pouces. Je sais pas si ça existe, les roues de fat bike en 14 pouces. Elle fait le boulot. Elle amortit bien les chocs. Parfois des chocs assez spectaculaires. Compte tenu du poids qu'il y avait sur le chariot aujourd'hui. Voilà, donc plutôt satisfait. Évidemment, là, je l'ai chargé lourd. Pour le test. Là, au total, il y avait à peu près 20 kg. En prenant en compte le chariot, 4 kg. Le sac à dos, 1,7 kg. Hop.
protéger de la pluie. À noter qu'ici on n'est pas sur la version finale du chariot. C'est un outil de travail, donc il va être sujet à évoluer. Je vais essayer de l'alléger en continuant déjà de percer des trous. La journée a été longue. En continuant de percer des trous dans le cadre, je vais pas le transformer le cadre en gruyère non plus, parce que il va perdre en solidité aussi inévitablement. Donc je vais y aller tout doucement. Thank you.